Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du CAGI, qui est une équipe de recherche de l'Université des Antilles, le Paul Guadeloupe du laboratoire de sciences sociales, le laboratoire caribéen de sciences sociales, le LC2S. Alors, je vous rappelle que nous constituons une unité mixte de recherche du CNRS située sur les deux pôles, à cheval sur la Martinique et la Guadeloupe. Je m'appelle Fred Guénaud, je suis responsable du CAGI. Je suis en compagnie de Julien Mérillon, membre du CAGI et président du CORECA, pour l'animation de ce webinaire, peut-être le dernier de l'année. Alors nous sommes à la fois sur la plateforme Zoom et en présentiel dans la salle 7 de la faculté de droit et d'économie de Guadeloupe. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire exceptionnel. Un webinaire exceptionnel par le contexte dans lequel nous organisons, mais aussi exceptionnel par nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Alors, le contexte, c'est d'abord un sondage réalisé par l'Institut Callistat à la demande du CAGI, qui met en évidence les tendances de l'opinion. Contrairement aux idées reçues, la population guadeloupéenne n'a pas peur du changement statutaire. Une majorité se prononce pour une fusion des deux collectivités, région et département. Les sondés sont favorables aussi à une réduction du nombre d'élus. Ils sont également favorables à un statut fiscal de la Guadeloupe et à des compétences renforcées. Le 17e congrès des élus de Guadeloupe s'est réuni le 7 juin 2023 et il semble lui aussi partager ses orientations à quasi-unanimité, à l'unanimité, si on en juge par les votes des deux résolutions du congrès. Alors, une des interrogations sous-jacentes au débat du congrès concerne la prochaine révision constitutionnelle. Comment profiter de la fenêtre d'opportunité que pourrait représenter cette révision pour proposer au gouvernement une nouvelle architecture institutionnelle et éventuellement de nouvelles compétences découlant, et c'est important, d'un projet politique consensuel. Ce webinaire consacré aux enjeux de la prochaine révision constitutionnelle pourrait nous aider à répondre à cette question. Alors, alors je vous prie de. Je commencerai par une présentation de nos trois collègues qui ont accepté de jouer le jeu des commentaires et des questions avec vous. Je les remercie. Dans l'ordre alphabétique, je vous présente Véronique Bertil, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux, ancienne conseillère au cabinet de la ministre des Outre-mer entre 2014 et 2015, ancienne ambassadrice déléguée à la coopération régionale de la zone Antilles-Guyane 2015-2017. C'est une constitutionnaliste. Ses travaux portent principalement sur les Outre-mer, bien sûr, la question des statuts, de la coopération régionale et les langues régionales. Alors, ces trois dernières publications, je les cite, Panorama de l'évolution institutionnelle et du pouvoir normatif des collectivités territoriales de l'article 73 de la Constitution, La réforme des collectivités d'outre-mer et les enjeux de la révision constitutionnelle et de la différenciation territoriale dans les Outre-mer. Donc, autant de questions qui nous concernent directement. Brigitte Fakoura, qui est en présentiel à côté de moi, maître de conférence en droit privé à l'Université des Antilles, en Guadeloupe, elle est spécialisée dans le droit européen des régions ultrapériphériques et la fiscalité des Outre-mer. Elle a rédigé une thèse de doctorat sur la doctrine de la différenciation juridique qui met en lumière un droit de la différence applicable aussi bien aux collectivités publiques qu'aux personnes privées en droit de l'Union européenne et en droit interne français. Ces dernières publications, l'interventionnisme fiscal dans les collectivités régionales d'outre-mer, la gestion du Fonds régional pour le développement et l'emploi, tracer les contours d'un droit économique des outre-mer et enfin la réparation de l'impact du chlordécone à l'aune de la responsabilité envers les générations futures. Thématique également très intéressante. Enfin, Karine Galli, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université des Antilles, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Elle co-dirige actuellement une équipe de ce laboratoire dont les travaux sont consacrés aux relations internationales, à la gouvernance et au développement dans l'espace Amérique latine-caraïbe. Ça s'appelle RIGODEV, cette équipe. Elle est depuis octobre 2022 vice-doyenne de la faculté de droit et d'économie de Martinique. Elle a assumé les fonctions de présidente puis de première vice-présidente de la commission coopération régionale et affaires européennes de la collectivité de Martinique. Elle a contribué ainsi à l'admission de la Martinique aux organisations régionales de la zone AEC, OEC, OEC, excusez-moi, et CEPARC.
Alors, ces dernières publications, les relations internationales des collectivités d'article 73 de la Constitution de 58, la gestion des fonds européens dans le contexte de la collectivité territoriale de Martinique, enjeux et perspectives, et pluralisme institutionnel et répartition des compétences locales, améliorer la cohérence et renforcer le partenariat. Bien. Alors, notre invité de ce webinaire est Stéphane Diemertz. Bonjour et merci, Monsieur Diemertz, d'avoir accepté notre invitation et de nous présenter votre lecture des enjeux de la prochaine révision constitutionnelle pour les Outre-mer. C'est le thème du webinaire. Alors, ancien élève de l'ENA, Stéphane Diemertz est aujourd'hui président assesseur à la Cour administrative d'appel de Paris. Il a été conseiller juridique de deux ministres de l'Outre-mer entre 2002 et 2006. Il a servi au sein de l'administration centrale de ce ministère comme chef du bureau des affaires politiques entre 1996 et 2000, puis comme sous-directeur des affaires politiques entre 2006 et 2009. Alors, ce qui donne déjà une indication sur le champ de compétences sur les Outre-mer de Stéphane Diemertz. Dans ses fonctions, il a notamment été directement en charge des évolutions statutaires institutionnelles et des évolutions constitutionnelles de 2003 à 2007. Il est directement associé à la rédaction des différentes lois organiques à partir de 1999. Il a également été ambassadeur pour la coopération régionale Antilles-Guyane entre 2009 et 2011. Il a été président du Haut Conseil de la Polynésie française 2013-2015. Au-delà de ses activités et de cette pratique du droit, vous avez, Monsieur Diemertz, une analyse, je crois, stimulante du droit et des institutions de l'outre-mer. J'en veux pour preuve votre proposition en tant qu'analyste d'une évolution du statut constitutionnel de l'outre-mer reposant sur la notion de pays d'outre-mer. J'ajoute, transcendant la distinction des articles 73-74. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Alors, votre réflexion repose sur une série de travaux, je ne pourrai pas tous les citer. Parmi vos ouvrages, articles, chapitres d'ouvrages, je retiens quelques titres. Le droit de l'outre-mer, dans la revue Pouvoir, l'histoire constitutionnelle de l'outre-mer sous la Ve République, dans les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, la diversification des statuts des collectivités d'outre-mer sous la Ve République, dans un ouvrage qui s'intitule La France et ses Outre-mer. Vous avez consacré plusieurs écrits aux collectivités d'outre-mer, à Saint-Barthélemy notamment, Saint-Martin, la Polynésie. Je retiens aussi des thématiques plus spécifiques sur certains articles de la Constitution, dont certains pourraient fusionner à l'occasion de cette évolution, cette révision constitutionnelle à venir. Je veux citer deux contributions récentes sur ces questions. La première, des procédures de démocratie semi-directe spécifiques à l'outre-mer, l'article 72.4 de la Constitution. La seconde, une tentative de dépassement du cadre des articles 73 et 74, des réflexions et des débats devant le Sénat à l'été et à l'automne 2020. Alors, je précise que vous intervenez dans ce webinaire comme analyste du droit à titre personnel et pas comme président assesseur de la Cour administrative d'appel de Paris. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que nous avons le privilège d'accueillir un des juristes et praticiens les plus cités sur les questions relatives à l'outre-mer, Monsieur Stéphane Diemertz, à qui je passe la parole pour une trentaine de minutes. Monsieur Diemertz, vous avez la parole. Mon écran. Bon. Je reprends donc mes propos n'engagent que moi et non pas la juridiction à laquelle j'appartiens et donc il n'est pas possible d'inférer de ces propos quelques positions à prendre sur une affaire que j'aurai à juger. Ces propos étant de précaution étant tenus, quelques mots donc je vous remercie pour cette aimable présentation donc. Les propos que je vais tenir sont ceux d'un praticien qui est assez peu attaché aux questions théoriques et je vais essayer de vous exposer ce que m'inspire le thème que vous m'avez proposé, donc à partir de mon expérience professionnelle, les difficultés que j'ai pu rencontrer à cette occasion, de proposer quelques solutions que j'ai faiblesse de penser qu'elles pourraient être praticables pour permettre les évolutions souhaitées. Et vous avez rappelé l'état de l'opinion récent sur le sujet qui est très intéressant. Alors, quelques mots d'abord sur le. On parle de prochaine révision, mais en réalité, on ignore tout, à la fois du contenu de la révision et même de sa possible survenue, puisque, à ma connaissance, les informations, du moins rendues publiques, généralement issues d'ailleurs de brèves de presse, de rumeurs, parfois de déclarations tel ou tel élu ou responsable, n'ont jamais été corroborées à ce stade par des déclarations officielles, du moins récentes, du président de la République ou du Premier ministre, de la Première ministre, seul détenteur de l'initiative.
la révision, au moins si on souhaite aboutir par voie de projet de révision à une réunion du Congrès, dans le cadre de l'article 89. Donc à ce stade, nous sommes encore largement dans l'incertitude sur la possibilité d'une révision, sur le calendrier. On présume toutefois que l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, et notamment la question du dégel éventuel du corps électoral, devra s'opérer avant les élections territoriales et provinciales de 2024, ce qui peut donner une indication sur le calendrier. La presse s'est fait l'écho, vous le savez, de possibles progrès dans les discussions entre partenaires de l'accord de Nouméa et le gouvernement sur ce point. On est là, ceci dit, sur le terrain politique, puisque juridiquement, rien n'oblige à ce que la Constitution soit révisée pour modifier le statut de la Nouvelle-Calédonie, l'accord de Nouméa stipulant expressément qu'il peut demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle organisation soit mise en place, ce qui peut donc durer quelque temps. Donc il y a bien une contrainte politique du côté de la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, rien ne dit que la Nouvelle-Calédonie serait forcément traitée à l'occasion, que le cas de la Nouvelle-Calédonie serait fortement traité à l'occasion d'une révision constitutionnelle intéressant même le reste de l'outre-mer ou les collectivités territoriales. Le gouvernement est parfaitement libre de saucissonner, si je puis me permettre cette image triviale. Alors, je vous propose pour le reste d'organiser mon propos, c'est classique, en deux temps. D'abord, peut-être vous rappeler ce que vous connaissez tous, mais relativement rapidement, les contraintes issues du cadre constitutionnel actuel, donc issues donc aussi de la révision de 2003, puis dans un second temps, donc les perspectives, ce qui est raisonnablement envisageable sur le plan constitutionnel pour sur le contexte constitutionnel, enfin sur le droit positif issu de la révision de 2003, je me bornerai à quelques rappels rapides, puisque vous connaissez tous l'essentiel de ce droit positif, en soulignant bon, d'abord ce qui les apports de 2003, puis ensuite les incomplétudes ou les insuffisances. Alors, sur les apports, on le sait tous, 2003, finalement, c'est bien quatre, il y a eu quatre point, je crois qu'on peut retenir cette révision. D'abord, l'assouplissement du cadre de la départementalisation de l'article 73 avec, vous le savez, la possibilité de différencier les collectivités les unes des autres, la procédure des habilitations. Ça a pu marcher, fonctionner plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est dans le texte constitutionnel et on constate que le paysage institutionnel est désormais beaucoup moins uniforme qu'avant, avec la Martinique et la Guyane d'un côté, Mayotte de l'autre, et enfin la Réunion et la Guadeloupe qui finalement n'ont guère évolué, sauf la Guadeloupe tout de même sur l'aspect des habilitations, puisqu'elle en a été la principale expérimentatrice. L'approfondissement de l'autonomie dans le cadre de l'article 74, vous le savez, le 74 finalement à bien des égards repris nombre de dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'accord de Nouméa, y compris des mécanismes de préférence territoriale en faveur. J'en étais au quatrième apport de la révision de 2003, donc la consécration, l'instauration d'une procédure finalement d'autodétermination en droit interne avec, vous le savez, l'obligation du consentement préalable des populations concernées pour le passage d'un article à l'autre, ou spécifiquement pour les collectivités, l'article 73, vous le savez, l'instauration d'une collectivité unique ou d'une assemblée unique, mais pas d'une assemblée. Rappelez peut-être des observations du Conseil d'État sur la réforme du conseiller territorial, peut-être y reviendront. Donc on connaît ces apports, on connaît moins, ou peut-être qu'on a moins réfléchi sur les limites de la révision de 2003. Enfin, certaines sont connues, d'autres sont peut-être moins soulignées. D'abord, sur les droits des électeurs, on le sait, en particulier une fois qu'une collectivité a franchi le cap de l'article 74, plus aucune obligation de consulter les électeurs n'est instaurée, ce qui a pu parfois être considéré comme rendant ce choix risqué dans l'hypothèse où les électeurs accepteraient un passage vers un statut de relative autonomie, mais ne seraient plus consultés ensuite vers des évolutions qu'ils ne souhaiteraient pas forcément. Bon, l'hypothèse est peut-être une hypothèse d'école, mais enfin, elle doit être soulignée. Et c'est un argument qu'on a souvent entendu, finalement, dans certains débats. Donc, l'insuffisance des droits conférés aux électeurs. L'insuffisance, sans doute, aussi des droits conférés aux collectivités, qui restent des collectivités territoriales et non pas des entités fédérées, même innommées, qui n'ont guère la possibilité de s'auto-organiser, qui n'ont pas la possibilité de saisir elles-mêmes le Parlement pour obtenir la modification de leur statut, ni d'obtenir des transferts de compétences à leur demande, etc. Donc, globalement, elles restent des collectivités territoriales qui sont dans la main, on va dire, de l'État, sans forcément avoir la possibilité d'évoluer à leur rythme et en fonction de décisions qu'elles prennent.
et ce, à la différence de ce qui peut exister en Espagne, au Portugal, en Italie, où l'auto-organisation au sens large permet tout de même des évolutions dont les collectivités peuvent maîtriser le calendrier et dans le cadre d'un dispositif qui empêche qu'on leur impose éventuellement des modifications qu'elles ne souhaitent pas. Troisième point, je crois qu'il faut souligner, dans les insuffisances de la révision de 2003, elle ne résout pas un problème d'encombrement, de thrombose, d'embolie, je ne sais comment le qualifier, des procédures d'adoption ou d'approbation par les autorités nationales des textes relatifs à l'outre-mer. Tout cela peut paraître assez technique, assez procédural, mais on l'a bien vu avec l'exemple des habilitations de l'article 73, les procédures actuelles ne permettent pas à une collectivité qui demande l'adoption d'un texte, finalement, qui demande une autorisation, une habilitation, de l'obtenir dans un délai raisonnable. Il n'existe pas l'espèce de procédure de qui ne dit mot consent, et les collectivités, alors même qu'elles souhaitent mener, utiliser notamment les habilitations, ça vaut aussi pour certains mécanismes de l'article 74 sur lequel je m'étendrai pas pour l'instant, on le sait, se heurte à la lenteur des réactions gouvernementales et parlementaires, ce qui peut être gênant et ce qui peut contribuer à dévaloriser finalement une partie des ouvertures de l'article 73 en 2003. Enfin, quatrième, deux dernières insuffisances, enfin l'une importante aussi, les collectivités n'ont toujours pas plus aujourd'hui qu'avant, de marge de manœuvre en matière d'application locale des engagements internationaux et du droit de l'Union européenne, ce qui peut être handicapant à bien des égards, on y reviendra sans doute, et ce qui pourrait sans doute être corrigé en droit interne, du moins. Et enfin, on l'a dit, nombre de commentateurs peuvent considérer que la distinction 73-74 est obsolète, car trop contraignante, c'est un point plus discutable. Donc on le voit rapidement, la révision de 2003, nonobstant les progrès qu'elle a permis, comporte aussi des insuffisances dont la résolution pourrait appeler des solutions finalement raisonnables. Et c'est vers ces solutions que je vous propose, d'évoquer maintenant. Alors, quelle perspective pour le contenu donc d'une future révision ? Alors, vous ne vous étonnerez pas que je reprenne ici des réflexions que j'ai déjà publiées sous une forme ou sous une autre, et notamment dans un rapport de Michel Magras qui m'avait demandé de produire une contribution sur la possibilité finalement technique et juridique de mettre en œuvre la différenciation territoriale qu'il prônait. Ces rédactions un peu améliorées ont notamment été présentées au Sénat dans le cadre de la discussion de proposition de loi constitutionnelle en octobre 2020, sous la forme d'amendements d'ailleurs finalement pluripartisans, puisque j'ai eu le grand honneur ou le grand plaisir de voir ces écritures reprises par le groupe LR, par le groupe centriste, par le groupe socialiste, qui fait quand même une forte majorité du Sénat quand ces trois groupes sont additionnés. Pour autant, les amendements n'ont pas été adoptés, vous le savez, puisque ce n'était pas forcément le moment ni le cadre. Une petite proposition de loi constitutionnelle sur l'autonomie locale de droit commun. Toujours est-il que le Sénat, depuis, continue de réfléchir assez sérieusement sur ces questions. Alors, vous avez évoqué ma proposition de pays d'outre-mer, je précise tout de suite qu'il s'agit vraiment d'une dénomination que j'ai d'abord, que j'ai certes pas inventée, je crois qu'il y a même au moins une thèse en 2002 sur le sujet. C'est une appellation qu'on va utiliser pour des raisons de facilité, mais qui se veut neutre, hein, qui ne préjuge en rien de ce que pourraient être ces évolutions. Dans ces propos retenus par les amendements et le rapport Magras et les amendements subséquents, donc, un statut de pays d'outre-mer qui se substituerait de plein droit au statut des COM de l'article 74, mais qui serait ouvert aux collectivités de l'article 73 sur une base volontaire avec, je l'ai dit, la condition sine qua non de l'accord des électeurs sur les éléments essentiels de leur statut, identité législative ou pas, ou partielle, compétences normatives, lesquelles, dans quelle matière, etc. Éventuellement, points essentiels, enfin, principes fondamentaux de l'organisation de la collectivité exécutif séparé ou pas, mode de scrutin, pourquoi pas. On peut en débattre. Enfin, l'idée est bien de ne rien imposer et d'organiser une accession progressive à ce statut de pays d'outre-mer pour les collectivités qui en seraient volontaires, ce qui suppose une démarche consensuelle que vous avez rappelée en introduction, monsieur le professeur. Alors, naturellement, on peut proposer toutes sortes d'autres évolutions plus radicales, plus séparatistes, etc. Je crois que ce n'est pas le sujet. Sans porter aucun jugement moral sur les engagements des uns et des autres, là, on essaye de réfléchir à ce qui peut raisonnablement être adopté en l'état de la composition du Parlement et en l'état des souhaits de l'opinion publique que vous avez rappelé en introduction. Donc, une forme d'autonomie
en utilisant ce terme avec beaucoup de précaution, raisonnable, raisonnée, consensuelle et co-construite, sans doute. C'est à l'évocation d'une démarche pragmatique consensuelle et donc à l'évocation de mécanismes constitutionnels qui permettraient de l'amener dans un contexte de relative sérénité politique. Rêvons un peu. Alors, je vois deux aspects sur lesquels il convient de s'attarder peut-être un peu. D'abord, la question des indispensables garanties démocratiques que toute réforme devrait comporter. Et ensuite, la nécessaire souplesse ou plasticité que la révision devrait introduire dans la Constitution, aussi bien pour cette transition, ce changement, que pour l'avenir, puisque l'idée serait tout de même d'adopter un nouveau cadre de l'outre-mer qui puisse durer longtemps. Alors, les garanties démocratiques, personne, je crois, ne souhaite revenir sur l'apport de 2003. Il est plutôt question de l'approfondir. Naturellement, le constituant est souverain, il peut même choisir le passage en force et imposer toute évolution qu'il souhaite, mais on imagine que c'est politiquement très risqué et à l'évidence inenvisageable. Je crois que deux aspects sont me semble-t-il, à souligner, doivent être soulignés dans le contenu de la révision. Donc d'abord, donner aux électeurs le droit, finalement, de se saisir eux-mêmes des évolutions statutaires ultérieures, passer le cap d'un éventuel changement, et d'autre part, ne rien imposer, c'est-à-dire de brutal, c'est-à-dire envisager une période de transition longue vers un nouveau statut qui n'écraserait pas les statuts actuels, mais qui s'y superposerait en quelque sorte. À l'hypothèse, la réflexion qu'on doit pouvoir tenter de mener sur les droits qu'il serait nécessaire de conférer aux électeurs pour se saisir eux-mêmes d'éventuelles évolutions statutaires, éventuellement postérieures au changement de statut initial, c'est l'hypothèse de l'accession au pays d'outre-mer ou à quelques dénominations statutaires nouvelles que ce soit, puisque, comme je vous l'ai dit, on écrit souvent que la crainte des électeurs peut être celle de ne pas maîtriser un processus vers l'autonomie qui leur échapperait. Il est assez simple techniquement de mettre en place des mécanismes de votation populaire sur pétition d'une fraction des électeurs. Et je crois que j'ai été coupé au moment où je vous disais qu'il va de soi que si une réforme statutaire s'annonçait, qui suscite une certaine hostilité dans l'opinion, ce serait sans doute pas difficile de trouver 2, 3, 4 ou 5% du corps électoral pour organiser une votation fonctionne assez bien dans les cantons suisses et autres collectivités qui pratiquent l'initiative populaire. On ne voit pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas en droit français. Et le motif récurrent selon lequel les électeurs ne seraient pas capables de discerner l'intérêt d'une réforme me paraît ce motif particulièrement inepte. En réalité, il remet en cause le suffrage universel lui-même. Donc, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi une telle hostilité existe envers procédure de démocratie semi-directe en droit français. C'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'elle ne peut pas être transposée. En tout cas, on serait vraiment dans un cas très particulier et très intéressant où, me semble-t-il, une partie des craintes parfois émises dans certains secteurs de l'opinion à l'occasion de ces réformes statutaires qui ne seraient pas maîtrisées sur le long terme, ces craintes peuvent être parfaitement levées par des mécanismes démocratiques qu'il suffira d'expliquer et qui sont assez simples à mettre en œuvre. Deuxième garantie, alors je l'ai déjà un peu mentionné tout à l'heure, mais naturellement, on pourrait être, parce qu'on aime bien souvent construire des cathédrales, on pourrait être tenté de tout mettre à plat, de tout réécrire. Moi, je serais plutôt partisan, si j'avais mon avis, sur la rédaction des nouvelles dispositions constitutionnelles et sur la période de transition à prévoir, de ne pas écraser, de ne pas mettre fin aux articles 73 et 74, mais plutôt de construire à côté. Alors d'abord, pour des raisons symboliques, la suppression de l'article 73 serait mal vécue, sans doute. À l'inverse, d'ailleurs, les collectivités de l'article 74 n'auraient pas forcément envie de revenir vers un 73 qui comprendrait l'ensemble des dispositions sur l'outre-mer. Le plus simple est sans doute de ne pas tomber dans ce piège, et même si c'est très formel, de créer de nouveaux articles, ce n'est pas la place qui manque dans la Constitution, 72, 5, 6, etc., ou alors dans les articles 78 et suivants qui sont aujourd'hui vacants. On peut donc réfléchir, c'est formel, mais c'est sans doute symbolique et puissant, à des rédactions qui ne susciteront pas de polémiques inutiles. Et puis, je l'ai déjà un peu mentionné, je crois qu'il y a aussi l'idée que finalement, on peut prévoir que cette évolution se fera sur un temps relativement long et accorder un délai raisonnable de transition d'un statut vers l'autre. D'abord, parce qu'il faut bien être conscient qu'on ne peut pas techniquement
du jour au lendemain et en quelques mois, en quelques années, modifier 12 statuts de collectivité d'un seul coup, que les procédures sont longues, surtout si elles s'accompagnent de référendums locaux, etc. Donc il faut sans doute envisager une période de transition assez longue, d'une dizaine d'années au moins, pour se donner, enfin pour se donner comme objectif éventuellement le passage de toutes les collectivités vers le nouveau statut, étant bien entendu que le nouveau statut lui-même pourrait parfois ressembler d'assez près au statut substantiel actuel, c'est-à-dire qu'au-delà des garanties démocratiques d'un certain nombre de choses, la Réunion, une fois, pour prendre cet exemple, puisqu'on leur on reconnaît, on accorde, on attribue à nos compatriotes de garder leur statut actuel, je ne sais pas, ils n'ont pas encore été consultés, mais on pourrait parfaitement imaginer qu'une fois ce statut atteint, néanmoins, la substance du statut nouveau demeure celui, finalement, de l'article 73, mais avec des garanties démocratiques supplémentaires. L'avantage la réforme à laquelle on songe, c'est qu'elle serait extrêmement souple, n'imposerait rien finalement, mais permettrait peut-être plus facilement qu'aujourd'hui des adaptations à la situation des uns et des autres. Dernier point, après ces garanties démocratiques, le cadre constitutionnel futur. Au risque d'enfoncer les portes ouvertes, la Constitution ne peut pas tout régir, ne peut pas être trop précise. Si elle l'est trop, eh bien, il faut la réviser chaque fois qu'on rencontre un obstacle de nature constitutionnelle. L'idée serait donc, et c'était le sens de la rédaction des amendements Magra et autres, du rapport Magra et des amendements sénatoriaux, l'idée serait de faire en sorte, enfin, d'ouvrir un certain nombre de perspectives dans le texte constitutionnel, mais de très largement, bien sûr, renvoyer aux lois organiques pour la mise en œuvre, tout en réservant naturellement, quelque sorte, un noyau civique commun sur l'ordre public, la justice, la protection des droits et libertés, la nationalité, l'état des personnes, enfin tout ce qui fait encore nation et qui devrait naturellement rester de la compétence de l'État. En revanche, tout le reste ou presque est négociable et au gré des évolutions souhaitées par les collectivités, approuvées par leurs électeurs, on pourrait assez facilement imaginer donc des statuts à la carte. Tout cela n'est pas si compliqué que cela techniquement. Je vous renvoie aux amendements d'octobre 2020 du Sénat, présentés devant le Sénat. Tout y est à peu près écrit. Ce n'est pas si long que cela, mais ça ouvre, je crois, des potentialités assez, assez sérieuses. Voilà quelques éléments pour ouvrir le débat, pour autant qu'il ait été intelligible après ces problèmes techniques. Monsieur le professeur, je vous rends la parole. Merci, merci, monsieur Guimel, merci beaucoup. On a compris l'essentiel, je crois. Sur le fond, on reviendra à travers des questions sur les points qui ont été avancés. Alors, je propose finalement qu'on garde l'ordre alphabétique qu'on avait choisi dès le départ. Je proposerai donc à Véronique Béatil d'intervenir dans un premier temps. Alors, le principe, je vous l'explique, hein, ce sont des commentaires, des questions posé à l'intervenant, donc comme premier échange. On passera ensuite à Brigitte Fakora et enfin à Karine Galli. Et après, on va ouvrir le débat aux personnes présentes dans la salle et sur le Zoom. Donc, une partie, si possible, pas trop longue hein, entre vous, pour permettre le débat avec le reste des personnes présentes. Donc, Véronique, tu as la parole pour un premier échange avec Stéphane Guébert. Merci Monsieur le Professeur, merci Stéphane, merci Monsieur Diemer pour ces réflexions stimulantes dans lesquelles, alors on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble et dans lesquelles je m'inscris assez largement. Je vous prie de m'excuser, je n'ai rien préparé, donc bon, peut-être que ce sera mieux d'ailleurs. Je n'ai rien préparé, donc je réagis à ce qu'a dit Stéphane et je partage largement et sa première partie sur les limites, sur les contraintes du cadre actuel. Alors, tout ça est passé vite, mais est-ce que si on entre toutes les limites que vous avez, les apports de 2003, vous les avez rappelés, et les limites, est-ce qu'une révision constitutionnelle à venir pourrait améliorer ces limites? Je pense que c'est aussi le lieu de le faire. Et ensuite, dans les perspectives entre les garanties démocratiques et le cadre constitutionnel à venir, qui ne fait pas tout, oui, le constat actuel, c'est que déjà les 12 collectivités d'outre-mer, je laisse de côté celles qui n'en sont pas, et je pense notamment au TAF et à Clipperton, mais les 11 collectivités d'outre-mer ont chacune leur statut.
Il y a évidemment encore des grands principes communs auxquels on est attaché, mais il y a quand même une différenciation. Et donc, c'est déjà quasiment le cas. Il n'y a plus un droit outre-mer ou une collectivité d'outre-mer qui ressemble à une autre. Alors, on cite la Guadeloupe et la Réunion qui sont toujours des régions monodépartementales, mais vous l'avez bien dit, la Guadeloupe, à la différence fondamentale de la Réunion, bénéficie des procédures d'habilitation et, a fortiori, c'est celle qui en a le plus utilisé. Donc, d'ores et déjà, et la distinction article 73, article 74, alors par le passé, devant ce constat de collectivité avec des statuts tellement différents, j'ai toujours essayé, je crois que nous sommes plusieurs à avoir essayé de faire une frise, si je puis dire comme ça, de la tension de l'élastique entre Paris et l'outre-mer. Et quand on essaye de faire cette frise, on mélange les collectivités de l'article 74 et des collectivités de l'article 73. Donc, c'est sur ce constat-là que j'ai pu, mais pas toute seule bien sûr, parler d'une fusion des articles 73 ou 74, ou en tout cas d'un dépassement de ces articles. Je n'ai personnellement aucun attachement à ces articles dans un sens ou dans un autre, ni pour les sauver, ni pour les abolir. Je vois juste les revendications actuelles et les évolutions, puisque 75 ans de départementalisation, comme l'ouvrage de nos collègues Karine David et Justin Daniel l'ont bien montré, 75 ans de départementalisation, et j'ai le sentiment, du haut de mon jeune âge qui n'est plus si jeune, que les problématiques sont toujours les mêmes, décennie après décennie. Alors, j'ai été auditionnée et j'ai travaillé avec la collectivité territoriale de Corse. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité et les différentes réunions à Beauvau que mène la collectivité territoriale de Corse. Et les questions ont beaucoup tourné autour de la notion d'autonomie que vous utilisez vous-même, bien sûr, entre guillemets, parce qu'on sait tous combien cette notion est polysémique et combien la juriste que je suis ne l'entend pas du tout comme les politistes ou politiciens qui sont parmi l'audience. Et malheureusement, je pense que c'est aussi là que le bât blesse, parce que dans mes discussions avec la collectivité territoriale de Corse, que j'ai évidemment menée en miroir avec ce que je savais de l'outre-mer, on tourne autour du pot. Si les collectivités demandent toujours plus d'autonomie, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on ajoute la liste des compétences matérielles? Et donc, ça reste un pouvoir réglementaire soumis au contrôle du juge administratif, fût-il tribunal administratif ou conseil d'État comme en Polynésie française, ou cette autonomie change-t-elle de nature? Et demande-t-on une procédure ou une autonomie législative organique? Et donc, nous, ce n'est plus tant la liste des compétences qui compte que la nature même du pouvoir normatif exercé et qui ne serait dès lors plus soumis au juge administratif, fût-il le Conseil d'État, mais au Conseil constitutionnel, comme cela est le cas en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la voie que souhaiterait, on verra quelle sera la réponse de Beauvau ou du président Emmanuel Macron, que souhaiterait emprunter le président de la République, qui a dit aux Corses qu'il utilisera, alors là encore, hein, Stéphane l'a rappelé en début d'intervention, on parle de révision constitutionnelle, mais aura-t-elle seulement lieu dans cette législature? On n'en sait rien, dans cette mandature, on n'en sait rien. Mais le président a quand même dit aux élus corses qu'il utilisera le véhicule de la révision constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie pour y insérer la Corse. Et sur un tout autre sujet, vous avez suivi l'actualité, il y a aussi fait mention de l'interruption volontaire de grossesse. On n'est plus du tout sur les sujets de collectivité, mais en tout cas, une idée de révision constitutionnelle est dans les propos du président de la République. Ça n'engage évidemment que lui, parce que pour l'instant, je rejoins complètement Stéphane sur le côté un peu dubitatif de la chose. Donc, cette autonomie, si on part vraiment de là, donc ce serait une autonomie législative type Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que sinon, alors, ça devient un peu technique, je m'en excuse par avance, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que la hiérarchie des normes, les normes qui s'imposeront toujours aux collectivités qui veulent intervenir dans un domaine, seront toujours aussi contraignantes. Donc, les normes de référence ne sont pas les mêmes si l'on dispose d'un pouvoir réglementaire fût-il matériellement élargi que si l'on dispose d'un véritable pouvoir législatif. La hiérarchie n'est plus la même. Donc, sur ces questions, c'est peut-être la discussion plutôt que des questions que je souhaiterais poser à l'intervenant, à M. Diemer, à Stéphane. Est-ce que cette notion d'autonomie, est-ce qu'on va aussi loin ou est-ce qu'on prévoit un statut à la carte défini par loi organique, donc 12 lois organiques ou 11 lois organiques pour nos 11 outre-mer.
Et est-ce que cette notion d'autonomie vous semble centrale entre cette distinction matérielle, législative? Et donc, on en viendrait à faire, comme dans les États régionaux que vous avez cités, pour ne même pas parler de fédéralisme, trois listes de compétences, des listes de compétences réservées à l'État sur lesquelles les autorités locales ne pourront jamais intervenir, entre guillemets jamais, hein, rien n'est figé dans le marbre, mais on est tous d'accord pour dire que ce sont des matières régaliennes. Vous l'avez évoqué, Stéphane. Vous avez cité la défense, la sécurité. Je laisse à Karine Galli, ma collègue, peut-être de parler des affaires étrangères et de la diplomatie, c'est autre chose. Donc, il y aurait une liste de compétences réservées à l'État, une liste de compétences exclusives des collectivités territoriales, et ce qui est peut-être moins saisissable par l'ensemble des personnes, c'est une grosse liste de compétences partagées. Alors maintenant, reste à savoir comment on définit les compétences partagées. Est-ce qu'on le fait à l'européenne, ou tant que les États ne le font pas, l'Union européenne le font? Ou le contraire? Donc, est-ce qu'on part sur quelque chose comme ça? Et est-ce qu'on redonne peut-être, même si c'est un principe que personne ne comprend, toutes ces lettres de noblesse à la subsidiarité? Voilà un petit peu mes pistes. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je m'en excuse par avance, mais je vous remercie, Stéphane, de cette discussion. Vaste débat, Véronique. Alors, juste un point. Alors, je commence peut-être par le point technique. L'éternelle question du contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sur les normes locales. Bon. Aujourd'hui, on raisonne sur la dichotomie acte administratif, compétence du Conseil d'État, acte législatif, compétence du Conseil constitutionnel. Mais je ne suis pas, à titre personnel, partisan d'accroître la charge du Conseil constitutionnel pour 1000 raisons, et peut-être d'abord parce que son fonctionnement est critiqué. Pour dire les choses un peu rapidement, nous n'avons pas pour l'instant de cour constitutionnel. Nous avons un Conseil et il est constitutionnel, comme disait de regretter professeur Carcassonne qui proposait un plan en deux parties. C'est un conseil, il est constitutionnel. Je ne suis pas absolument certain qu'il faudrait chercher de ce côté-là. Quelles sont finalement la différence, au-delà du juge, entre la loi et la loi parlementaire, la loi néo-calédonienne et la loi du pays polynésienne qui intervient dans le domaine de la loi mais qui est soumise au contrôle du Conseil d'État? Il y a finalement presque plus de différence. La loi du pays polynésienne, acte administratif, ne peut pas rétroagir, y compris pour régler pour l'avenir des conséquences fâcheuses du passé. Donc, le législateur polynésien ne peut pas se valider des actes administratifs, ce que peut faire le législateur calédonien. Et ça, ce n'est pas forcément un principe constitutionnel. Si une loi organique autorisait les lois du pays polynésienne à adopter des mesures de validation et à rétroagir pour régler dans le futur les effets fâcheux du passé, je ne suis pas absolument certain que ce serait inconstitutionnel, ce serait même sans doute constitutionnel. Et on donnerait donc à la loi polynésienne la substance qui lui manque. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Parce que là, vous avez disparu de mon écran. On entend très bien. Parfait, très bien, désolé. C'est quand même moins grave que tout à l'heure. Donc, finalement, l'un des aspects, c'est-à-dire la possibilité de rétroagir, on peut sans doute le donner aux lois du pays de la Polynésie ou aux actes de Saint-Barthélemy, peu importe. L'autre différence, c'est la soumission aux principes généraux du droit. Là aussi, est-ce que c'est un principe administratif soumis aux principes généraux du droit? Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas administrativistes, que les principes généraux du droit sont une norme, comme disait le professeur Chaput, supra-décrétale et infra-législative, c'est-à-dire des principes qui s'appliquent au règlement, mais que la loi peut, auquel la loi peut déroger. Là aussi, est-ce que c'est un principe constitutionnel? Peut-être pas. Et si on autorisait les lois du pays de la Polynésie à, le cas échéant, déroger aux principes généraux du droit, peut-être ne commettrait-on pas d'inconstitutionnalité, enfin ce serait sans doute à tenter, je ne suis pas absolument certain que le Conseil constitutionnel censurerait. Donc si sur la rétroactivité et les PGD ont donné ces compétences à la Polynésie, quel serait encore l'intérêt de... Mais qu'on peut sans doute résoudre, même à droit constitutionnel constant, et qu'au-delà du prestige recherché, peut-être, de se faire juger par le Conseil constitutionnel, on est quand même sur des aspects très techniques qui ne méritent peut-être pas leur excès d'honneur ni d'indignité qu'on leur accorde. Voilà pour ce point très technique, mais à mon avis, qui est moins figé que la manière dont on le présente souvent. Alors, sur le reste, bon, l'autonomie, la polysémie, Véronique l'a rappelé du terme, je l'ai utilisé par facilité de langage dans mes développements. Pour ma part, je suis partisan, vous l'avez compris, de solutions pragmatiques et surtout les plus souples possibles. Donc oui, la liste des matières, mais on peut en discuter. On peut en discuter. Aujourd'hui, le statut de la Polynésie permet déjà à la Polynésie, sous certaines conséquences et avec l'accord de l'État,
d'intervenir dans les matières dites régaliennes, c'est-à-dire réservées à la Polynésie, à l'État, pardon, par la Constitution. Donc, ce qui existe déjà pourrait être probablement amplifié. Par exemple, aujourd'hui, la Polynésie peut intervenir en matière d'immigration, par exemple, notamment en matière de délivrance de visas et de certaines règles applicables aux étrangers, sous réserve que l'État approuve cette réglementation locale. Pour des raisons sur lesquelles il serait trop long de revenir, cette procédure ne fonctionne pas parce que la Constitution, révisée en 2003, est un peu imprécise sur la manière de faire. Et je vous épargne les raisons pour lesquelles elle est imprécise, ça relève de l'anecdote. Mais malheureusement, cette anecdote a plombé le dispositif depuis longtemps. On pourrait donc, sous réserve de quelques ajustements techniques, conserver le principe qui finalement existe aujourd'hui d'intervention d'une collectivité locale dans les compétences régaliennes. Tout cela s'organise, ça suppose au moins une double clé, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'État puisse à tout le moins s'opposer aux propositions venant de la collectivité, mais ça se rédige. De même, si on prend le droit pénal, par exemple, qui est une matière de compétence régalienne, bon, le droit pénal général relève de l'État, c'est assez logique, les grands principes. En revanche, ce qu'on appelle le droit pénal spécial, qui est souvent lié à des polices administratives spécifiques, y a-t-il un intérêt absolu à ce que cette matière relève de la compétence décide de punir de peine de prison à perpétuité ce qui relève normalement une simple contravention? Je pense qu'une telle mesure tout à fait outrancière ne passerait pas le cap du contrôle de constitutionnalité. Donc, on peut parfaitement envisager que ces collectivités interviennent dans le domaine du droit pénal. C'est un deuxième exemple. Ça, ce sont les compétences régaliennes. D'autre part, alors, les éventuelles compétences partagées entre la collectivité et l'État, qui ne seraient pas régaliennes, mais qui seraient un stade intermédiaire, là aussi, tout est possible. Tout se construit collectivité par collectivité. On peut parfaitement avoir concevoir des mécanismes, qui d'ailleurs existent, je crois, notamment en Allemagne, où l'État central vote la disposition législative et la collectivité adopte les dispositions réglementaires d'application. On peut imaginer toutes sortes de transferts partiels de compétences, d'hypothèses dans lesquelles c'est la collectivité qui étend à son propre territoire des normes adoptées par l'État, donc qui choisit finalement de les importer. Tout est envisageable, et donc là aussi la réponse doit être adaptée aux besoins de chaque collectivité. Donc finalement, de cette autonomie, on peut faire beaucoup de choses. Je crois qu'il faut quand même l'assimiler essentiellement à l'idée de pouvoir normatif. Dans nos discussions, sera plus ou moins autonome une collectivité qui interviendra dans le domaine de la loi. À la limite, peu importe la force de ses actes, pourvu que finalement ce pouvoir normatif soit effectif et puisse être exercé dans des conditions qui aujourd'hui ne sont pas entièrement satisfaisantes. Je l'ai dit, les habilitations de l'article 73, la participation de la Polynésie de l'État, tout ça reste souvent bloqué à cause en fait de contraintes procédurales. Donc, on retombe souvent sur des aspects assez pragmatiques, un peu éloignés parfois de la théorie, mais qui ont souvent plombé ces dispositions de 2003. Je ne sais pas si j'ai entièrement répondu aux questions qui m'étaient posées. Oui, merci Stéphane. Oui, je reconnais que la compétence du juge est un point très technique pour nous juristes. En revanche, elle a une dimension très concrète pour les autorités locales et les exécutifs locaux, c'est que les contraintes de la hiérarchie des normes ne sont pas du tout les mêmes si vous avez un pouvoir uniquement réglementaire ou un pouvoir législatif. Et c'est la question des normes de référence. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, on partage bien le même avis sur notre actuelle juridiction constitutionnelle, mais c'est une donc après libre ou alors quitte à améliorer notre juridiction constitutionnelle. On est sur l'aspect pour l'instant du pouvoir normatif des collectivités d'outre-mer. Dans les États régionaux type Espagne ou Italie, je ne vais même pas dans les États fédéraux, c'est bien le tribunal constitutionnel espagnol et la cour constitutionnelle italienne qui font ce contrôle-là. Donc, c'est plus de façon concrète parce qu'en effet, il m'importe aussi, comme vous, de trouver des réponses concrètes et non pas des arguties de juristes. C'est plus quand un exécutif local souhaite prendre une mesure ou une politique publique bien précise dans un domaine et que cet exécutif local se retrouve bloqué tantôt par les normes législatives, tantôt, vous l'avez évoqué aussi, je laisse peut-être Karine ou Brigitte derrière l'évoquer, les traités internationaux que nous avons signés ou les règles européennes. Mais je vous remercie et oui, vous m'avez répondu et je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions et je continue à suivre la discussion et éventuellement, si je peux, j'interviendrai après Karine et Brigitte ou j'interagirai. Merci Véronique. Donc, sans transition, je passe la parole à...
Brigitte, tu as quoi? Non, je peux parler, on t'entend. Ah bon, on m'entend? Bon, ben je vous remercie beaucoup, Monsieur Diemer, pour vos propos. Merci de m'avoir invité, Fred. Alors, moi, je voudrais réagir en tant que spécialiste du droit privé. Je suis privatiste et je m'intéresse au droit de l'entreprise et donc à l'aspect économique. Et je m'intéresse également à la corrélation que l'on peut faire entre le statut constitutionnel et le statut européen. Et les corrélations qui existent entre les deux et les répercussions que cela peut avoir justement sur l'activité économique précisément des entreprises. Alors, Monsieur Diemer, j'ai pris connaissance de votre article sur les 75 ans de la départementalisation et j'ai beaucoup apprécié votre projet qui visait à mettre au centre du changement statutaire le pays d'outre-mer, dont vous avez d'ailleurs précisé qu'il était neutre, et c'est-à-dire qu'il n'avait pas la signification qu'il a dans la Constitution en ce moment. Alors, moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que lorsque l'on parle de l'article 73 et de l'article 74, on se réfère à deux systèmes législatifs de rattachement des collectivités d'outre-mer au droit commun. Article 73, c'est l'identité législative. Article 74, c'est la spécialité législative. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Au-delà de cette dichotomie a toujours existé, au-delà des affinements rédactionnels, et notamment à la faveur de la réforme constitutionnelle de 2003. Alors, en 2003, on est dans un système de décentralisation renforcée et le principe de spécialité législative, la dichotomie spécialité législative et identité législative perdure, mais on s'aperçoit que la frontière n'est plus étanche, puisqu'il y a des collectivités qui relèvent, notamment Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui vont relever de l'article 74, de la spécialité législative, et on va voir qu'il va y avoir un savant dosage entre l'identité législative qui est prédominante et la spécialité législative. Alors, ma question, j'ai suivi attentivement vos propos, c'est un élément de clarification que je voudrais d'abord avoir pour ensuite continuer mon propos. Vous avez indiqué qu'il ne serait pas nécessaire de supprimer la distinction entre l'article 73 et l'article 74. Est-ce que c'est bien cela? Oui, alors c'est pas nécessaire dans l'hypothèse où on crée un autre statut auquel les collectivités sont libres d'adhérer au terme d'un processus qui sera probablement long. Donc, on ajoute quelque chose. Alors, on peut naturellement moduler cette proposition qui est une proposition personnelle, hein, qui est tout à fait critiquable. On peut parfaitement se réverser dans le nouveau statut. Donnons-lui le numéro 78, puisqu'il est disponible après l'article 77. Comme ça, ça reste entre. Ça évite en plus de parler trop souvent de pays d'outre-mer. Bon, imaginons que le nouvel article 78 comporte les propositions que j'ai faites. Bon, le passage vers le 78 pourrait être parfaitement envisagé dans un délai qui serait éventuellement fixé par la Constitution, une disposition transitoire. En 58, quand a été ouverte l'option de devenir État membre de la communauté franco-africaine ou bien département d'outre-mer au territoire d'outre-mer de l'époque, l'article 76 de l'époque initiale avait prévu un délai de 4 mois. Bon, on peut donc parfaitement prévoir un délai qui sera évidemment beaucoup plus long, mais tout ça s'écrit. Donc, on pourrait imaginer que les 73 et 74 subsistent le temps que les collectivités franchissent les étapes vers le 78, temps qui peut être long. J'ajoute que pour des raisons de lisibilité du texte constitutionnel, il est quand même préférable de garder les statuts actuels si on en crée un nouveau, plutôt que de les remplacer par des nouvelles dispositions qui seront sous les mêmes numéros. Tout ça sera absolument illisible pour tout le monde. C'est de la technique, mais ça a quand même son importance s'agissant du texte constitutionnel. Donc oui, on peut conserver le statut actuel qui se viderait finalement de sa substance au fur et à mesure que les collectivités feraient le choix du statut de pays d'outre-mer, et encore une fois, sans préjuger de ce que sera la substance de ce nouveau statut, qui pourrait parfaitement être identique, je l'ai dit, aux actuels articles 73 et 74, mais identique dans un autre cadre et avec d'autres perspectives d'évolution. Donc moi, j'ai tendance à préférer, ne serait-ce encore une fois que pour des raisons techniques, et pour que la réforme soit lisible et
probablement, ça je m'avance peut-être, politiquement plus acceptable, j'aurais tendance à préférer qu'on crée autre chose et que petit à petit l'actuel se déverse dans l'autre chose, si je puis dire. Je crois que ce serait plus simple. C'est une opinion, je la partage, comme dirait l'autre, mais elle est très critiquable. Alors, moi, j'avais cru comprendre que lorsque vous proposiez le statut de pays d'outre-mer, c'était qu'il se substituerait à une distinction 73-74 qui est devenue obsolète et que donc ce serait un article qui remplacerait, et donc un statut terme, qui remplacerait. C'est ce que j'avais compris dans vos propositions. C'était bien ça au départ. Oui, mais à terme et pas forcément de manière trop brutale. Enfin, voilà. Mais on est sur des nuances transitoires, je dirais. Alors, moi, dans la mesure où la dichotomie 73-74, spécialité législative, identité législative, est devenue artificielle, je pense que, à mon sens, il y aurait plus de complexité à maintenir ces articles et à ajouter encore un autre article sur le pays d'outre-mer. Alors, je fais cette remarque parce que, bien sûr, je me réfère aux préconisations du Congrès. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté très, très, très franche d'avoir plus de compétences en matière locale, quitte à avoir des compétences en matière de priorité d'embauche, en tout cas, qu'il y aurait une forme de préférence locale en matière d'embauche pour que les décideurs locaux puissent donner la priorité à la population locale. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cela vous semble cohérent que dans le cadre d'un statut qui, à mon sens, serait un statut de pays d'outre-mer, en tout cas par rapport aux préconisations qu'a fait le Congrès, je pense plutôt que ce serait plutôt un habillage d'un pays d'outre-mer selon vos propositions. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de prévoir, en tout cas, certes pas dans la Constitution, mais est-ce que vous pensez que la disposition, le pays d'outre-mer serait compatible avec cette volonté d'avoir notamment une priorité d'embauche, aussi une priorité par rapport au marché public, puisqu'il y a eu plusieurs propos, préconisations en ce sens? Alors, je suis d'autant plus persuadé que c'est les amendements sénatoriaux qui ont repris mes propres écritures et à la rédaction desquelles j'étais associé, on prévoit explicitement ce dispositif qui existe déjà d'ailleurs dans le cadre de l'article 74 pour les collectivités dotées de l'autonomie, donc la préférence notamment en matière d'emploi, en matière de protection du patrimoine foncier. Je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que, quel que soit par ailleurs, vivement du droit interne, parce que sur le plan communautaire c'est moins évident, mais sur le plan du droit interne, je ne vois absolument pas quel inconvénient il pourrait y avoir d'ordre juridique, je ne me prononce pas sur les aspects politiques et autres, à ce que, notamment à compétence égale, les résidents, les personnes justifiant d'une certaine durée de résidence sur un territoire puissent bénéficier d'un droit à l'embauche prioritaire. C'est prévu en Nouvelle-Calédonie, une loi du pays a été adoptée sur ce sujet. Ça a été mis en œuvre assez tardivement par la Polynésie, me semble-t-il, dans les deux ou trois dernières années, alors que la possibilité leur a été ouverte en 2004. Donc, il n'y a aucun problème, à mon sens, si la disposition constitutionnelle est adoptée, pour envisager ce dispositif dans le cadre d'un futur statut de pays d'outre-mer. Et en tout cas, c'est expressément prévu par les amendements dont je vous parle. Encore une fois, on parle là de droit interne, parce que les problèmes de droit communautaire sont un peu plus subtils sur le sujet. Enfin, les difficultés sont plus réelles, sans être forcément insurmontables. Alors, justement, c'est là où je viens basculer dans la dichotomie qui existe entre le statut constitutionnel et le statut européen. Toutes les collectivités d'outre-mer ont toujours un double statut constitutionnel, relevant soit de l'article 73, soit de l'article 74, mais aussi un statut européen relevant soit du statut de région ultrapériphérique ou de PTOM. Lorsque vous prenez l'exemple de la Nouvelle-Calédonie et aussi de la Polynésie, je crois, où il y aura une priorité d'embauche, c'est beaucoup plus facile parce que ce sont des PTOM et on sait que les pays et territoires d'outre-mer, le statut de pays et territoires d'outre-mer confère une autonomie, en tout cas une absence de contrainte par rapport au principe de la liberté de circulation des travailleurs, la liberté de circulation des personnes,
où justement il y a une possibilité donc d'avoir cette priorité d'embauche. En revanche, dès lors que l'on raisonne en termes de région ultra-périphérique, c'est adhérer à un statut de territoire douanier. On est inséré dans le territoire douanier et c'est faire l'objet de contraintes en matière de liberté de circulation des personnes et des travailleurs. Alors, bien sûr, le statut de région ultra-périphérique permet certaines dérogations, mais moi, ce que je voudrais que l'on voit bien, c'est que dès lors qu'on a une collectivité d'outre-mer, il y a aussi la corrélation qui est faite avec soit le statut de PTOM, pays et territoire d'outre-mer, soit le statut de région ultra-périphérique. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a des compétences partagées entre la France et l'Union européenne, et donc ces deux statuts gèrent de façon coordonnée, plus ou moins, en tout cas de façon complémentaire, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ma question, c'est est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait envisager, selon vous, un statut de POM pays d'outre-mer, RUP? Est-ce qu'il y aurait une différence entre un POM RUP ou un POM PTOM? Alors, rien ne s'oppose à ce qu'un POM soit une RUP. D'ailleurs, actuellement, Saint-Martin est une collectivité outre-mer dotée d'autonomie au sens de l'article 74 et bien, bien une RUP. Et puis, je rappelle que les Canaries, les Açores, Madère, j'ai même envie de dire, les composantes fédérées des États fédéraux de l'Union européenne, que ce soit la Bavière ou la Sicile, sont également dotées du pouvoir normatif et pour autant sont bien des territoires autonomes au sein d'États membres de l'Union européenne. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, en droit français, nous avons un exemple de COM RUP et nous avons eu un exemple, d'ailleurs, de PETOM de l'article 73. C'était Mayotte, devenue collectivité de l'article 73, avant qu'elle ne rejoigne les RUP. Donc, tout est possible en droit interne. Le sujet, c'est évidemment de respecter les règles communautaires. Alors, il n'y a aucun doute possible sur le fait que quand on est un pays, un PETOM, on peut être régi par un dispositif de préférence territoriale en matière d'emploi, dès lors, en tout état de cause, que les nationaux de l'État membre sont traités de la même manière que les ressortissants de l'Union européenne sont traités localement de la même manière que l'Union européenne. Donc, s'il y a éventuellement un régime avec les guillemets qui conviennent de discrimination entre guillemets à l'emploi, c'est-à-dire de préférence locale, fondée notamment sur une durée de résidence, dès lors que cette durée de résidence va s'appliquer tout aussi bien aux Français de métropole qui viennent s'installer qu'aux Finlandais ou à l'Espagnol, l'Union européenne n'y verra aucun inconvénient. Ça, j'en suis absolument certain. J'avais lu à l'époque, quand j'avais participé à la rédaction de la loi organique sur la politique française, toutes sortes d'analyses très sérieuses sur le sujet. Alors, dans le cas des RUP, à ma connaissance, nous n'avons pas de jurisprudence de la Cour européenne, mais je ne suis pas assez compétent en la matière. Si on transposait ce dispositif et que à durée de résidence égale, à critère de durée de résidence égale, les nationaux français venant de métropole et les autres Européens soient traités de la même manière et que donc ils soient soumis à un éventuel régime de préférence territoriale pour par ailleurs à compétence égale, ce qui est quand même assez raisonnable, éventuellement se voir préférer un habitant de la Guadeloupe par exemple. Est-ce qu'on aurait vraiment une violation du droit communautaire? J'en suis pas absolument sûr, mais je manque un peu de référence. Je sais que les îles Åland, dont on parle peu, îles finlandaises mais suédophones, au milieu de la mer Baltique, connaissent un régime qu'on pourrait presque qualifier de polynésien, de préférence locale. Sauf erreur, ça fonctionne. Par contre, je ne sais pas si une stipulation expresse du traité leur a garanti, donc sur le territoire européen de l'Europe, si je puis dire, européen continental de l'Europe. Je ne sais pas si le traité comporte une stipulation spécifique pour ces îles, il faudrait le vérifier. En tout cas, je sais que le régime existe, donc il est a priori compatible avec le droit de l'Union européenne. C'est un point à creuser, je ne peux pas vous apporter de réponse. Moi, intuitivement, je dirais que dès lors qu'on traite le national français comme les autres Européens et pas mieux, que éventuellement ces deux groupes-là peuvent se voir préférer un Guadeloupéen dans le cadre de l'accès à un emploi en Guadeloupe, est-ce que c'est vraiment incompatible avec le droit communautaire? Vous me direz que ça peut certes constituer un obstacle à la libre circulation des travailleurs, j'entends bien.
Est-ce que ça a été jugé par la Cour de justice? Je n'en sais rien. Je dois vous dire que j'avoue, mon ignorance complète, c'est sûrement un point à creuser qui est intéressant. Il est extrêmement intéressant de connaître, puisque ça éclairerait tout de même sur le choix d'options statutaires à exercer. Mais on peut très bien aussi être un pays d'outre-mer au sens des amendements du Sénat de 2020 du rapport Magra, sans forcément mettre en œuvre ce dispositif. Enfin, toutes les options sont possibles. Voilà. Donc sur ce point, je vous fais une non-réponse partielle, en quelque sorte. Oui, je comprends votre embarras, puisque moi-même je me pose la question. Et en fait, c'est vrai qu'il est possible d'avoir un POM RUP ou un POM PTOM, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, par rapport aux préconisations qu'a fait le Congrès s'agissant justement de la priorité d'embauche, en tout cas qu'il y ait une priorité au local, je pense que d'après toutes les propositions que j'ai vues, le POM pays d'outre-mer, PTOM, conviendrait mieux pour cela. D'autant qu'au niveau fiscal, d'après ce que j'ai compris dans le sondage du CAGI, il y avait aussi cette volonté, en tout cas cette volonté qui avait été arrêtée, qu'il y ait plus d'autonomie fiscale, et donc, qui dit autonomie fiscale, dit la possibilité de créer des impôts et donc d'avoir des recettes fiscales supplémentaires qui permettraient une autonomie financière et cela et aussi de percevoir des droits de douane. Et donc là, ça permettrait aussi une plus grande souplesse par rapport, en tout cas moi, ce que je vois par rapport au sondage et à votre proposition sur le pays d'outre-mer, et aux préconisations faites par le Congrès, il me semble qu'un statut de POM PTOM serait l'habillage le plus adéquat. Je vous rejoins, pardon, sur ce point, sans exprimer la moindre préférence politique, ce n'est pas mon problème. Il est certain que toutes les PTOM, parce qu'ils sont associés à l'Union européenne, bénéficient évidemment d'une grande latitude, l'État membre, du moins, quand il organise le statut d'une de ses composantes territoriales qui a le statut européen de PTOM, l'État membre dispose d'une très large marge de manœuvre. On voit bien que pour certains systèmes, je pense au système juridique britannique, etc., où les ressortissants des PTOM en question ne sont pas forcément des nationaux, sont plus ou moins des ressortissants, mais pas forcément des nationaux. Il n'y a pas de droit absolu, par exemple, ou il n'y avait pas pendant longtemps, je crois que ça a changé récemment, de droit absolu de circulation des citoyens britanniques d'outre-mer vers la métropole, etc. Nous n'avons pas ce problème, puisque nous, la République indivisible et l'égalité des droits des citoyens fait que les habitants d'un PTOM, quel que soit son statut européen, seront toujours des nationaux français qui auront le droit de circuler en France, qui auront, quel que soit le lieu sur le territoire de la République, qui auront le droit de participer aux élections nationales, qui seront représentées au Parlement. Donc, en fait, il y a quand même des garanties qui résultent du droit interne qui sont extrêmement fortes et beaucoup plus fortes que notamment le système britannique, pour ne prendre que celui-là. Donc, ça, il me semble que ça peut contribuer à dépassionner le choix du statut de PTOM. J'ai assez bien vu la question quand j'étais ambassadeur à la coopération régionale, puisque j'avais mené à l'époque les négociations avec la Commission, ce qui mériterait à soi seul une émission, sur ce Frexit partiel qu'a constitué la sortie de Saint-Barthélemy de l'Union européenne. Et finalement, on s'est bien rendu compte que sortir un territoire qui le demandait et puis qui avait des raisons objectives pour le faire de l'Union européenne, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors vous me direz, c'est Saint-Barthélemy, contexte particulier, population réduite, certes, mais en réalité, le territoire qui fait ce choix n'est pas d'autant d'avantages qu'on pourrait le croire. Alors, bien sûr, il y a les fonds structurels et les aspects financiers que je ne néglige pas, mais à la limite, l'État central peut parfaitement suppléer à cette manne qui vient de Bruxelles, puisque qui ne résulte que de la communautarisation des politiques d'aménagement du territoire. On s'en passait avant que Bruxelles ne récupère cette compétence. Donc, en termes de garantie fondamentale pour les citoyens, un tel choix est absolument sans incidence. Après, il y a l'attachement à l'Union européenne et les politiques de l'Union européenne, ça, ça relève de choix personnel et de toutes sortes de motifs, mais je dirais que c'est négociable et très discutable. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas d'obstacle majeur à une sortie du statut de RUP et à l'adoption d'un statut de PTOM. Encore une fois, l'exemple de Saint-Barthélemy le montre d'ailleurs, cette île est PTOM, mais néanmoins continue d'être soumise très largement aux droits communautaires,
comporte quand même quelques aspects bénéfiques, parce que par le fait de l'identité législative, le droit national qui lui est appliqué se trouvait aussi souvent la transposition du droit communautaire. Donc en réalité, ils sont en dehors de l'UE, mais sur bien des aspects, ils sont toujours régis par le droit communautaire. Mais c'est du droit communautaire librement étendu par l'État central, et non pas du droit communautaire imposé. Bien, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Diemet. On passe la parole maintenant à Karine Galif. Merci Fred, merci. Bonjour à tous, chers collègues. Écoutez, d'abord, un grand merci à Fred pour l'organisation de ce séminaire. Je suis ravie de retrouver certains collègues que je n'avais vus depuis longtemps. Je pense à Brigitte et puis par-delà les mères, Véronique. Et puis, je voudrais aussi remercier Stéphane Diemet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer effectivement, pour ses propos introductifs qui, effectivement, mettent tout de suite le point sur la problématique du jour. Alors, Monsieur Diemet, il me semble que votre proposition montre, si besoin en était, qu'en dépit des avancées pour tous les territoires d'outre-mer, nous avons donc une réflexion à mener. Je crois que le sondage qui a été proposé et diligenté par le CAGI le montre bien. Il y a une véritable réflexion à montrer. Vous avez bien rappelé, Véronique l'a souligné, que l'outre-mer sur le plan institutionnel constitue en réalité une vraie mosaïque à faire évoluer. Il est vrai que depuis la réforme de 2003, l'outre-mer se caractérise par une formidable complexité, et cela en dépit finalement de la distinction très binaire opérée par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette présentation binaire qui cache en réalité, me semble-t-il, une grande diversité qui a fait exploser, éclater, à y regarder de plus près la notion même de catégorie. Et on voit bien que les passerelles entre l'article 74 et l'article 73 sont importantes et qu'il y a une très grande porosité finalement entre ces deux articles, ce qui effectivement, je crois, me permet de déceler derrière d'ailleurs vos propos, qu'il s'agit de considérer que l'outre-mer doit disposer finalement d'un droit différencié, renforcé peut-être. Un des premiers enjeux de la réforme constitutionnelle pour les Outre-mer serait donc un nécessaire trois l'étage. Vous avez mis en avant les limites finalement de la réforme de 2003 qui sont quand même assez nombreuses et assez importantes. Et donc finalement une certaine forme de simplification, même si c'est pas un terme très juridique, mais une certaine forme de simplification, notamment, certains proposent de faire disparaître les articles 73 et 74 en retenant peut-être qu'un seul article, et ou alors de proposer un autre schéma, comme vous proposez effectivement à côté de ces articles le pays d'outre-mer. Alors, actuellement, est-ce que l'on s'y dirige vers cette simplification, considérant par exemple les modifications qui ont été souhaitées par le président Emmanuel Macron avec sa réforme de révision constitutionnelle? Je prends simplement comme exemple l'expérimentation telle qu'elle a été proposée dans cette réforme et qui a été reprise par la loi organique de 2021. Et donc, on se rend compte finalement que si elle ouvre quelque part le carcan de la différenciation, elle n'en demeure pas pour autant une application pleine et réelle de la libre administration des collectivités territoriales, puisque finalement, derrière tout ça, on se rend compte que l'État reste majoritairement. Le deuxième point, c'est peut-être, et vous l'avez souligné, la carence du manque de marge de manœuvre des collectivités territoriales, notamment en matière d'application des normes internationales. Et vous avez pointé cela effectivement dans les limites de la révision de 2003. Depuis 2003, il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de modifications, un certain nombre de compétences internationales, en tout cas des évolutions en matière de compétences internationales des collectivités territoriales outre-mer, avec notamment la fameuse adoption de la loi Letchimy.
Et on voit bien, quand on analyse tout ça hein, à l'aune de vos propos, qu'il y a un rapprochement important entre les collectivités de l'article 73 et de l'article 74, notamment en matière de négociation et de signature des conventions internationales ou encore de représentation de ces collectivités par des agents territoriaux. En somme, le sacrifice de la simplification n'aurait pas été vain si la réforme de 2003 avait permis quelque part à chaque collectivité de trouver sa voie. Les outils juridiques ont beau être là, cette voie ne semble toujours pas trouvée et il s'agit donc maintenant d'aller plus loin. Mais comment aller plus loin? Alors, vous proposez hein, parmi les éléments d'évolution du débat, le pays d'outre-mer hein, à côté des articles 73 et 74, mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que cela recouvre de plus, si ce n'est finalement, et vous avez insisté dessus, sécuriser le droit des électeurs. Et outre les changements statutaires sur lesquels je trouve qu'on a tendance effectivement à beaucoup s'apesantir, quelles avancées en réalité, puisque le statut, il faut bien en avoir conscience, n'est pas une fin en soi, c'est un moyen du développement économique, un moyen du développement social, du développement territorial, et donc ne pourrait-on pas considérer que l'outre-mer exige une approche territoriale, voire territorialisée par bassin de vie? Et non plutôt finalement un schéma intellectualisé, voire même catégorisé comme c'est le cas, et qui a du mal finalement à traduire les vérités de terrain. Voilà, alors je m'arrête là pour l'instant pour ces deux questions et je pourrai éventuellement revenir au cours du débat. Vaste, vaste champ de réflexion que vous nous ouvrez là. L'idée de pays d'outre-mer avec nos guillemets qui conviennent et la substance qu'on pourrait attaché à toute cette réforme. Alors, sur ce point, certains aspects sont assez techniques, mais je vous renvoie notamment aux amendements que les groupes ont déposés au Sénat. Qu'est-ce que ça change? Alors, il n'y a pas seulement les garanties démocratiques pour les électeurs, il n'y a pas seulement le droit pour la collectivité de s'opposer à l'éventuelle dépossession de ses compétences, ce qui est parfois craint dans certaines collectivités de l'article 74 actuel. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et par exemple, et pour cela, il faut évidemment une révision constitutionnelle, la possibilité qui serait offerte aux collectivités, je le disais tout à l'heure un peu rapidement, c'était un peu trivial d'ailleurs, je parlais d'importation des normes locales, mais on peut par exemple, des normes nationales, pardon, on peut par exemple imaginer des espèces de systèmes mixtes de compétences où la réglementation locale s'applique soit par défaut tant que la collectivité n'a pas elle-même légiféré ou réglementé, soit des hypothèses où dans des matières, la collectivité peut décider de utiliser un terme issu du droit communautaire des normes nationales en les adaptant. Donc, toute cette souplesse, sauf erreur, elle n'est pas permise aujourd'hui par le cadre constitutionnel. Sur le plan, c'est également prévu par les amendements sénatoriaux dont vous parlez, sur le plan des engagements internationaux, donner éventuellement un droit de veto à une collectivité quant à l'application sur son territoire d'un traité international, ça suppose là aussi une révision de la Constitution. Ce n'est pas une chimère, hein, certains, je crois que, sauf erreur, le statut des Antilles néerlandaises le prévoit. On peut parfaitement imaginer en droit interne qu'un traité ne pourra pas s'appliquer dans un territoire sans l'accord des autorités territoriales. Encore une fois, de droit interne, et c'est bien ensuite aux diplomates qu'il appartient de s'adapter à la Constitution et non pas l'inverse. Hein. Soit dit en passant. Donc, on peut sur ces deux points, donc très concrètement, peu importe encore une fois la dénomination retenue, les propositions que j'ai formulées, qui ont parfois été reprises, je pense, auraient des conséquences très concrètes. Il ne s'agit pas forcément de donner à la Guadeloupe un veto sur les traités de coopération militaire, c'est pas le sujet. On voit bien que tous les traités qui peuvent avoir des conséquences sur l'exercice concret des compétences par la collectivité, qui peuvent avoir des conséquences en matière de développement économique, qui portent atteinte à la prospérité locale en matière de notamment les accords commerciaux, etc. On pourrait parfaitement imaginer un mécanisme constitutionnel de droit interne donne aux collectivités un droit de veto sur l'extension à leur territoire de certains traités. Je crois que ça aurait des répercussions extrêmement concrètes, me semble-t-il, sur la vie des territoires en question. Voilà notamment, mais pas seulement, on a parlé tout à l'heure de la préférence territoriale, des aspects qui peuvent faire l'objet d'une révision de la Constitution. Bon, sur la question des catégories, etc., encore une fois, moi, j'ai pas de solution miracle. Il est généralement admis que chaque territoire, chaque collectivité doit un jour pouvoir évoluer à son rythme et à sa guise. Donc,
les propositions qui ont été faites, certainement pas la création de nouvelles catégories, c'est à la limite la fin de catégories, puisque chaque collectivité évoluerait et pourrait finalement avoir être dotée d'un statut panaché, composé d'un peu d'identité législative, d'un peu d'autonomie normative, etc. Donc tout est, je crois vraiment que c'est la fin des catégories qui est plutôt proposée. Encore une fois, peu importe les chiffres et peu importe la manière dont ce sera rédigé, ce qui compte, me semble-t-il, c'est que ce soit intelligible et que pour que ça puisse être adopté, ça ne suscite pas de réaction. Enfin, moi, je vis toujours avec, c'est un peu anecdotique, mais avec le souvenir de ce qui s'est passé à la Réunion en 2003, quand j'étais au cabinet de la ministre de l'Outre-mer, hein, et à la crise, d'ailleurs alimentée par la majorité, par des élus de la majorité qui soutenaient le gouvernement, à la crise autour de l'amendement Virapoulet. Je n'y reviens pas plus que ça, mais j'en suis sorti un peu traumatisé. Hein. J'ai tendance à penser que sur ces sujets-là, il faut éviter de susciter des peurs inutiles, mais après tout, c'est pas mon problème, hein, je ne suis pas gouvernant. Voilà, donc peut-être garder les articles actuels et les transférer plus tard, peu importe, c'est quand même globalement de la légistique constitutionnelle. Encore une fois, le projet dont on parle, c'est bien la fin des catégories, mais une fois qu'on a dit ça, chaque collectivité évoluant comme elle le souhaiterait, tout est envisageable, et sur le curseur de l'identité, de l'autonomie, tout est possible, y compris rien, c'est-à-dire y compris la soumission complète au droit commun. Mais néanmoins, la soumission complète au droit commun pourrait être s'accompagner d'une diversité institutionnelle qui n'existe pas aujourd'hui et qui n'est pas forcément possible, pourrait s'accompagner d'un pouvoir de veto en matière d'application du droit international, parce qu'on peut parfaitement imaginer que les lois et les règlements nationaux s'appliquent de plein droit, mais pas les traités. Enfin, on peut vraiment panacher, et le système qui a été proposé, les deux articles de 72.5 et 72.6 dans la numérotation qu'on leur a donnée dans les amendements sénatoriaux, permettent vraiment, faut les lire et les relire, permettent vraiment toutes les adaptations que l'on souhaite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur la catégorisation, la territorialisation. Alors après, sur les bassins, etc., là, je n'ai pas d'opinion parce que je ne suis pas forcément compétent. Il va de soi que si on devait donner à chaque territoire une forme d'autonomie et une forme d'auto-organisation, ça pourrait aussi permettre en commun certaines de leurs compétences, comme elles peuvent déjà le faire. Tout est envisageable pour autant que ça s'inscrive dans le cadre souple que j'ai évoqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos propos. Oui. Oui, oui, parfaitement. Et mais sur la question des engagements internationaux, effectivement, l'idée de permettre à une collectivité de poser un droit de veto à l'application d'une convention internationale sur son territoire, je pense qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de difficulté. Si on envisage la possibilité pour une collectivité, par exemple, de proposer au gouvernement de pouvoir conclure une convention internationale en termes de coopération régionale parce qu'elle estime que c'est un élément important pour son territoire. On peut à l'inverse aussi, mais c'est là aussi une question du droit international, envisager, et je ne pense pas qu'il y ait besoin de réforme constitutionnelle pour cela, que la collectivité puisse proposer que le champ d'application territorial de la convention internationale, à partir du moment où cette convention internationale le prévoit, puisse être restreinte simplement au territoire hexagonal et pas au territoire situé outre-mer. J'en veux pour preuve les débuts d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle prévoit effectivement un champ d'application territorialisé et donc le gouvernement britannique a bien effectivement, par exemple, dans les premiers temps, adopter une clause qui n'étendait pas le champ d'application territorial de cette convention au territoire situé outre-mer. Donc, je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre qu'il faut pouvoir identifier et qui sont possibles, en tout cas dans le cadre du champ législatif, et qui ne nécessiteraient pas nécessairement une révision constitutionnelle. Mais là, ça reste assez technique. Alors, d'accord, mais sur ce point, je me sépare un peu de vous quand même. La CEDH, oui, d'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, son article 56, prévoit qu'elle doit être appliquée en fonction des circonstances locales, et c'est pour cela que dans les anciens… Alors, les territoires d'outre-mer à la date de 1974, c'est-à-dire aussi, d'ailleurs, étrangement, Mayotte, aujourd'hui, la CEDH peut s'y appliquer de manière plus assouplie, on va dire. Mais ça, on est bien d'accord que le droit international le permet, c'est pas un problème. Mais si on veut contraindre l'État étant ce qu'il est, et les habitudes du Quai d'Orsay étant ce qu'elles sont, si on veut éventuellement que pèse sur les autorités centrales une forme de contrainte
les conduisant et les obligeant à ne pas éventuellement négocier un traité qui s'appliquerait forcément à tout le territoire national. Il faut bien aussi que le droit national, éventuellement, donne aux collectivités d'outre-mer une espèce de droit de veto. Et ça, si vous n'avez pas ce dispositif constitutionnel, vous êtes uniquement dans le champ politique et le gouvernement central, à la limite, fera ce qu'il voudra, même si la collectivité rejette absolument l'application d'un traité. Donc, cette espèce de droit de veto dont je parlais tout à l'heure, c'est certes technique, mais il y a quand même derrière tout ça des implications politiques assez fortes. Hein. En l'état, le droit national ne permet pas une collectivité. Les anti-néerlandaises ne sont quand même pas une construction si extravagante que ça. Le statut du royaume de 1953 est accessible en français sur le net. Hein. Les anti-néerlandaises prévoient vraiment un système où les composantes sont associées à la confection du droit international et peuvent s'y C'est sans doute transposable en droit français. Mais il faut une révision sur ce point. Je suis d'accord. Constitutionnelle. Tout à fait, merci. On est bien d'accord. Très bien. Je pense que ça va. Alors, je remercie nos trois collègues d'avoir participé donc, à ce jeu de commentaires et de questions avec Stéphane Hibert. Je remercie également Stéphane Hibert pour ses réponses. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a prévu 2 heures d'échange. Nous allons, et je m'en excuse déjà auprès de Didier Destouches qui a levé la main, on a récupéré les questions sur le Zoom, on les posera globalement. Comme ça, Stéphanie Maître pourra avoir une réponse globale à apporter. Ensuite, on passera aux questions de la salle. Je demanderai aux gens de la salle de me transférer leurs questions écrites. Ce sera plus simple pour moi. Plutôt que que chaque personne vienne poser des questions, ce sera impossible à gérer avec le temps qui nous reste. Donc, je propose que, dans un premier temps, que Julien Mérillon vienne poser les questions du Zoom et qu'ensuite, nous prenons les questions de la salle pour les poser. Donc, Julien, tu as la parole. Alors, bien sûr, sur le Zoom, bonjour à tout le monde. Hein. Il y a effectivement un débat qui est assez intéressant, qui en même temps est fait de questions, mais aussi d'avis, de points de vue sur les problématiques qui ont été abordées ce matin. Alors, je vais retenir globalement 3 séries qui me paraissent caractériser un peu la nature du débat que nous avons eu sur le chat. Première série de questions, c'est aujourd'hui quelle différenciation et comment tenir compte des situations existantes. Alors, une question est posée concernant les lois coutumières, savoir est-ce qu'elles sont au-dessus de la Constitution et échapperaient par voie de conséquence à ces évolutions, ou alors au contraire, est-ce qu'elles seraient au-dessus de la Constitution? La deuxième question qui était posée, c'est celle, bien évidemment, de régime, de statut, comme notamment celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, tout en étant une collectivité, n'est pas dans l'optique de l'autonomie. Comment concevoir ces régimes un peu particuliers? Ensuite, le débat va porter beaucoup sur la notion de pays d'outre-mer. Et là, bon, notre collègue Didier Destouches a eu l'occasion de présenter pas mal d'avis sur la question, montrant que bon, il y avait un décalage entre peut-être ce que la société civile exprime et ce que le Congrès aurait retenu. Toujours est-il que la question est la suivante aujourd'hui: est-ce que cette nouvelle catégorie de pays d'outre-mer permettrait effectivement de répondre à, notamment aux questions relevant de la préférence locale, aux questions en matière de marché et aux questions qui concerneraient, bien sûr, l'intégralité des compétences aujourd'hui réclamées. Ajouter à cela maintenant les questions qui viennent de la salle, et une question qui est la suivante: pourquoi s'enfermer dans l'opposition 73-4 sui generis à partir de l'article 72.1? Voilà un peu globalement les questions qui sont posées, les points de vue qui sont exprimés, et donc pardon, nous attendons les réponses. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, les réponses. Alors, il y a d'abord une question sur le droit coutumier. Si j'ai bien compris. Le droit coutumier, bah écoutez, la coutume a valeur en droit français, en principe infralégislative. Je vous renvoie vers les civilistes pour plus de précision, mais
dans nos territoires ultramarins, à ma connaissance, il n'y a guère que deux collectivités, donc où le droit coutumier est reconnu. Mayotte, d'une part, avec une forme de droit issu du minage al-Talibin, c'est-à-dire le guide des élécroyants, qui, sauf erreur, date du XIIIe siècle, donc qui est un droit musulman inspiré du rite chaféiste, matiné de toutes sortes de traditions locales. Je ne suis pas un expert sur le fond, mais qui a eu une existence à Mayotte et qui existe encore en théorie, même si désormais son champ est très réduit, via une délibération adoptée par la Chambre des députés des Comores quand Mayotte appartenait, enfin, était rattachée au territoire d'outre-mer des Comores. Donc vous aviez bien en droit français une délibération intervenant dans le domaine de la loi qui renvoyait elle-même à des règles coutumières et notamment un texte, le Minhaj al-Talibin, qui était un texte écrit d'ailleurs en arabe, non traduit officiellement, et qui était donc une source de droit français, enfin sur le territoire français pour les Comores et notamment Mayotte. Alors vous avez dû entendre parler à Mayotte sur la suppression de la polygamie, de la répudiation, sur l'égalité de l'héritage entre les filles et les garçons et autres sujets ont considérablement réduit le champ d'application du droit coutumier, mais il existe encore et il était théoriquement invocable devant les juridictions françaises. Par ailleurs, deuxième point, le droit coutumier est également reconnu en Nouvelle-Calédonie pour les Kanaks. Il est mentionné par la loi organique, il a une source constitutionnelle dans l'accord de Nouméa et il régit essentiellement le droit de la famille et des biens. Donc, ce droit coutumier a l'autorité qui lui est conférée dans sa sphère. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il est protégé par l'accord de Nouméa qui a valeur constitutionnelle et qui interdit donc son extinction autoritaire. Alors qu'à Mayotte, il y a été procédé de façon plus directe par... Ça n'a pas soulevé d'opposition locale sérieuse. Donc, vous avez finalement un droit coutumier qui est forcément infralégislatif, mais le principe est garanti par des orientations à valeur constitutionnelle. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois qu'il ne faut pas compliquer les choses. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est globalement Saint-Barthélemy, alors pas seulement en plus froid, mais avec aussi quelques compétences de moins. Mais ça reste une collectivité d'outre-mer, l'article 74, avec une compétence normative en matière fiscale, en matière douanière, en matière d'urbanisme et en matière de logement. Donc y compris les rapports propriétaires et bailleurs et locataires. Donc ce n'est pas une autonomie si résiduelle que ça. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Il n'y a pas, à ma connaissance, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de volonté de modifier le statut sur ces points essentiels. Pour autant, dans le cadre des évolutions qu'on évoque, Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait parfaitement trouver sa place dans un cadre qui préserverait, comme pour les autres collectivités d'ailleurs, ses compétences contre les incursions extérieures et malvenues. Alors, sur la fameuse catégorie des pays d'outre-mer, qui n'en est pas une, j'insiste bien sur ce point, c'est un nouveau cadre qui permet de s'extraire des catégories. Je crois avoir déjà dit beaucoup, à partir du moment où ce n'est pas une nouvelle catégorie, on fait ce qu'on veut sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la Constitution, éventuellement de respecter la volonté des électeurs, etc. Et donc, je le redis, dans le cadre de cette non-catégorie, on peut, chaque collectivité est libre de, serait libre de choisir le statut qu'elle veut, et on l'a dit, avec une marge de manœuvre extrêmement large et une possibilité de panacher, alors qui d'ailleurs complexifierait un peu en apparence, hein, puisque chaque collectivité ayant un statut propre, tous ceux qui nous disent que les articles 73 et 74 sont compliqués, nous expliquerons un jour sans doute que les 11 statuts le sont aussi. Mais oui, mais il faudra actualiser les manuels. Voilà. Alors, il y a un point sur lequel j'avais été tout à l'heure interrogé, mais je n'avais pas répondu. La question des marchés publics. Là, c'est un sujet de droit. Alors, outre qu'il existe quelques principes de valeur constitutionnelle sur les marchés publics, c'est aussi et surtout un sujet de droit communautaire, c'est-à-dire l'ouverture éventuelle des marchés publics français aux entreprises extra-françaises, donc européennes, est directement liées au marché commun, au grand marché, et je vois mal honnêtement sur ce point comment, autant sur la préférence territoriale on peut discuter, sur les marchés je vois mal comment on pourrait réserver aux acteurs locaux dans le cadre du droit communautaire tel qu'il existe. Pour autant, nuance, tel qu'il existe, mais pas forcément au niveau des traités. Quand on parle de droit communautaire, on a un peu trop tendance à parler des traités. Il y a le droit dérivé, les directives, les règlements, vous le savez, et rien ne permet d'exclure que dans le cadre de l'article 349 et du pouvoir d'adaptation des normes communautaires qui est reconnu aux institutions communautaires généralement sur la demande de l'État membre concerné, rien ne permet tout de même d'exclure que des règles de protection, on va dire, des entreprises locales
puisse être mise en œuvre, spécialement dans les collectivités insulaires d'outre-mer. Rien ne permet de l'exclure, mais pour l'instant, rien n'y oblige. Et donc, il faudrait que le gouvernement central agisse en ce sens auprès de l'Union. Je ne sais pas si des entreprises, des actions de cette nature ont été tentées. En tout cas, il y a sans doute un problème sérieux, mais qui ne me paraît pas tout à fait insurmontable au niveau du droit dérivé. Mais je ne suis pas un expert du droit des marchés publics, au-delà des quelques généralités que j'ai évoquées. 73-74, oui, je crois qu'on a déjà un peu tout dit. Encore une fois, la capacité qu'on reconnaîtrait à chaque collectivité de choisir son statut n'est pas une affaire de numéro, c'est quand même fondamentalement une affaire de substance. J'entends bien les critiques qu'on oppose à l'actuelle dichotomie 73-74. On peut admettre, c'est tout à fait recevable, qu'elle est obsolète, cette dichotomie. Pour autant, on peut aussi considérer, je l'ai déjà dit dans d'autres enceintes, que à défaut de réviser la Constitution, on puisse tirer toutes les potentialités, même si elles sont parfois limitées, de la révision de 2003. Je continue de penser que tout n'a pas été fait en matière d'habilitation, notamment. Parfois, les collectivités qui expliquent qu'elles n'ont pas pu faire n'ont pas toujours vraiment demandé, en réalité. J'évoquais dans mon exposé un problème qui ne sont pas directement liés au statut, mais qui sont des problèmes d'embolie, de thrombose et de paralysie des institutions nationales. Il n'existe pas de procédure rapide qui permette de légiférer facilement sur les demandes des collectivités au niveau du Parlement. Bon, ça, ce sont des sujets, à la limite, qui pourraient peut-être se régler sans révision constitutionnelle, mais à défaut, qui pourraient se régler par une révision même au statut. Il y a vraiment plusieurs étapes dans le règlement à mener. Donc, 73-74 obsolète peut-être, mais on peut aussi soutenir raisonnablement que toutes les potentialités du statut actuel n'ont pas été forcément exploitées. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Oui. Vas-y. À peu près. Vas-y. Je veux simplement apporter une précision à propos des marchés publics. Je renvoie les intéressés à un arrêt département de Mayotte, un arrêt qui a été rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil d'État. Et cet arrêt, justement, reconnaît dans une certaine mesure le critère de l'emploi local. Voilà, c'était simplement pour la référence, mais nous n'aurons pas le temps d'en discuter. Bien, merci. Alors, une dernière question qui nous vient du sénateur Lurel. Il nous dit, s'adresse directement à M. Dimea, pourriez-vous exposer, même sommairement, l'économie et les orientations de la PPLC du Sénat, et notamment son article 6, PPLC pour le plein exercice des libertés locales? Je salue le président Lurel au passage. Il me demande de commenter une proposition de loi constitutionnelle sur laquelle je n'ai pas plus d'informations que cela. J'ai bien connu les amendements à la rédaction desquels j'ai participé et qu'il a lui-même d'ailleurs déposé. Je ne suis pas certain de savoir ce que cette PPLC contient en son article 6, j'avoue. Alors, je peux vérifier en essayant de ne pas perdre trop de temps si j'y arrive et si mon ordinateur est encore connecté. De quoi il s'agit ? Est-ce qu'on peut éventuellement réserver la réponse jusqu'à ce qu'on trouve le texte, peut-être ? Oui. Ce qui n'est qu'une affaire de quelques minutes, mais il faudrait éviter de provoquer une interruption de connexion en allant chercher une PPLC sur le site du Sénat. J'essaie de la trouver et on va répondre à la question du sénateur. Bon. Malheureusement, je n'ai pas d'accès. Attends. La fenêtre qui est là, juste là. Attends, je ne sais pas. Voilà. Oui, ici. Affiché en plein écran. Ah non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Attends. Je ne suis pas encore. Appliqué. Voilà. Voilà. De toute façon, bon, je pense qu'il est 11h10, plus de 2 heures de séminaire. Nous allons arriver au terme de celui-ci. Alors, si Stéphane Dimer a quelques mots de conclusion à nous présenter, nous les acceptons volontiers. Je suis presque arrivé à la proposition de loi constitutionnelle évoqué par le sénateur Lurel, article 6, donc je vais essayer de répondre à sa question. Ah ben, l'article 6 a été supprimé, donc je ne peux malheureusement pas lui répondre.
En tout cas, dans le texte de, tel que transmis à l'Assemblée nationale le 20 octobre 2020. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse à faire sur un article supprimé. Je ne sais plus du tout ce qu'il y avait dans cet article, et d'ailleurs. Et c'est l'article 7, c'est la mention des territoires mentionnés à l'article 72-3. Ah, alors l'article 7, c'est sur l'extension du champ d'application des ordonnances de l'article 74-1. Oui, là, je comprends mieux. C'est l'idée que les ordonnances qui aujourd'hui permettent d'étendre et d'adapter les lois dans les collectivités de l'article 74 pourraient l'être finalement dans tout l'outre-mer et donc dans les collectivités de l'article 73. C'est une procédure qui convient sans doute de manier avec précaution, mais qui permettrait, le cas échéant, d'adopter peut-être plus rapidement certaines adaptations souhaitées de la législation locale, tout en respectant le principe d'identité et donc dans les limites du principe de l'adaptation. Et ça pose la question de savoir ce qu'est une adaptation, mais enfin quand même, il y a de la souplesse, adaptation aux contraintes et caractéristiques. Donc c'est une procédure qu'il faut sans doute... un article qu'il faut sans doute saluer. On pourrait aussi considérer que c'est un cadre très contraint, puisque les ordonnances doivent être ratifiées dans un délai de 18 mois, ce qui n'est pas toujours si simple, égard à l'encombrement de l'ordre du jour du Parlement, et que ce type de procédure mériterait sans doute, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, de faire l'objet d'une refonte plus générale des procédures parlementaires, législation en commission, qui permettrait sans doute utilement de répondre rapidement aux demandes des collectivités, tout en conservant son rôle au Parlement. Le législateur, c'est quand même le Parlement, et la voie des ordonnances ne devrait être qu'une procédure, est une procédure certes expédiente, mais qui est tout de même assez technocratique et qui doit donc être contrôlée. Donc les ordonnances, pourquoi pas? En revanche, une intervention qui n'est pas prévue dans l'article 7, plus importante du Parlement sur ces points, mériterait sans doute d'être envisagée. Elle peut l'être à droit constitutionnel constant, mais comme souvent, une mention constitutionnelle serait sans doute plus serait bien la bienvenue. J'espère avoir répondu à la question du président Lurel. Pour bien. Le reste, pardon. En guise de conclusion. Et d'abord, vous remercier pour cet échange et me désoler encore des contraintes techniques qui l'ont un peu perturbé au début. Finalement, j'aurais dû traiter tout depuis mon téléphone personnel. C'est toujours un plaisir de débattre sur ces questions dans lesquelles je n'ai pas d'intérêt autre qu'intellectuel, vous l'aurez compris, et d'apporter ma modeste contribution, qui encore une fois est celle d'un praticien. Hein, je ne prétends pas... me substituer aux autorités politiques, de ce que je comprends depuis finalement une vingtaine d'années, au moins de ces débats statutaires et autres, institutionnels et plus généralement de la substance de la citoyenneté outre-mer finalement et du rapport avec le centre. Enfin, tout ça est assez classique dans les États composés, et dans les fédérations qui s'ignorent, pour reprendre une formule du professeur Chalon, si je ne m'abuse. Ce que je retiens de ces débats, c'est qu'ils peuvent de toute façon être réglés par des voies juridiques appropriées, par des rédactions qui ne sont pas si compliquées que cela à concevoir. Je vous renvoie aux amendements du Sénat de 2020. C'est quand même des choses assez simples à écrire et à concevoir. Donc l'argument de la complexité, l'argument de l'inconstitutionnalité, etc., me semble-t-il, ne doit pas empêcher le débat démocratique de se tenir. Après, on entre dans ce qui est politiquement réalisable ou pas, ça c'est un autre sujet, mais juridiquement, on peut parfaitement, me semble-t-il, donner un cadre tout à fait stabilisé aux revendications des uns et des autres, en accord avec l'opinion, pourvu, me semble-t-il, que des garanties. Bien, je crois que nous allons arriver au terme de ce séminaire. D'abord, pour remercier M. Stéphane Zimmer donc, pour ses présentations et évidemment nous avoir fait de toute sa pratique. Hein. La deuxième chose qui apparaît tout aussi importante, c'est que même si aujourd'hui la question du cadre constitutionnel se pose, elle ne se substitue plus. Le problème fondamental est celle de la volonté politique, la volonté de changement. La troisième question, c'est comment faire adhérer, bien évidemment, la population à cette volonté de changement. Le débat, là aussi, est largement ouvert. En tous les cas, ce que nous avons souhaité faire, c'est porter l'information la plus large pour que chacun puisse disposer des outils qui va permettre un choix éclairé, un choix conscient. Et en tous les cas,
un choix qui devrait permettre de faire évoluer dans le sens d'un grand débat démocratique. Merci donc à tout le monde et à la prochaine, tout simplement. Merci à vous. Merci.